nous sommes au Prix d'Amérique avec Gaëtane Tinet, footballeuse de l'équipe de France de football féminine. Bon, ce Prix d'Amérique, qu'en avez-vous pensé de cette belle course? C'est la première fois que je le faisais, donc une très belle énergie, beaucoup de monde, je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde. Et puis beaucoup de surprises, on se prend très très vite au jeu, pour ma part en tout cas, donc j'ai trouvé ça génial. Une passion pour vous, les chevaux? Pas du tout, mais je pense que ça peut très vite le devenir, à mon avis. Il y a beaucoup de sportifs hein, qui sont propriétaires, notamment des footballeurs, hein, qui sont propriétaires de chevaux. Ouais, bah, je sais pas, je me suis jamais penchée sur la question, mais en tout cas, c'est extraordinaire. Après, ce sont des sportifs de haut niveau et des chevaux extraordinaires avec une énergie folle et des athlètes hors pair. Alors justement, est-ce qu'on peut faire la comparaison entre le football et enfin les grandes compétitions de football et cette course? Je sais pas si ça se compare, mais en tout cas, c'est vrai que le public est assez impressionnant, même si la tribune est plus en longueur. Mais sur l'arrivée, le bruit, c'était génial à vivre. Bon, 2020 pour vous, pour l'équipe de France de football, pour votre équipe, ça va être cool? Bah, c'est dans la continuité, continuer à progresser pour se qualifier pour l'Euro en Angleterre en 2021. Merci Gaëtane. Merci. Merci.